sensation. Et le temps est avec nous. Oui, tout à fait. Christian Laporte est architecte du patrimoine. Ce matin, il entame un survol des plus beaux châteaux de l'Auvergne. C'est très spécial pour moi aujourd'hui ce vol, parce que voir ces châteaux que je connais, je dirais, assez bien depuis le sol, de les voir depuis les airs, ça va être quelque chose d'assez émouvant. Et on a souvent une perception, une lecture même du ciel, de ces avions, qui nous donne aussi des indications sur la morphologie, la jeunesse constructive des châteaux. Ça peut parfois permettre de comprendre certaines choses qu'on ne peut pas comprendre du sol. Christian va survoler la partie nord du massif central. Ce trajet raconte la spécificité des châteaux dans cette région. Depuis les collines de l'Allier, où la noblesse s'est fait bâtir des demeures inspirées de l'architecture royale, jusqu'aux forteresses médiévales, édifiées par les seigneurs d'Auvergne pour résister au royaume de France. L'avion aborde d'abord la Limagne, vers un monument peu connu, à Effia. Effia, c'est un peu dans la plaine une des portes de l'Auvergne. C'est un château auquel je suis attaché parce qu'il mêle à la fois l'architecture savante du nord de la France et puis également déjà l'emploi de la lave volcanique. Atypique dans la région, il a été édifié en 1625 pour un ami de Richelieu. Le château d'Effia, c'est un château assez singulier, puisqu'on peut vraiment parler d'un château purement d'époque Louis XIII. Et vous le voyez avec un magnifique ordonnancement, et ces jardins, vous le voyez, avec un peu aménagé dans l'esprit de Le Nôtre. Hein. On sait que c'est le parrain de Le Nôtre qui a conçu les jardins du château d'Effia. Et vous le voyez, cette architecture avec ses toitures très très pointues, on est plutôt dans une architecture de l'île de France ou de la vallée de la Loire. On aperçoit également, vous le voyez, les pilastres et les corniches qui sont en pierre, en lave volcanique, qui vient de la chaîne des puits probablement, ce qu'on appelle la pierre de Volvic, qui est une lave assez dure et assez résistante. L'avion maintient le cap au sud, les premiers contreforts du massif central apparaissent. Là, on peut contempler la chaîne des puits à notre droite. Et sur le côté gauche, on a la puissante échine, la puissante crête des monts du Forêt, qui a longtemps constitué une frontière entre l'Auvergne et le Forêt. C'est vraiment une frontière qui a perduré pendant des siècles et des siècles. L'architecte et le pilote cherchent un petit édifice bien dissimulé. Ça y est. Voilà, ça y est. Oui, super. J'ai eu la chance de le visiter puisque je devais y faire une mission pour sa consolidation, puisque c'est un château qui a beaucoup de problèmes de structure. Le château de la Terrasse, influencé par l'école italienne, a été commandé au XVIIIe siècle par une riche famille de Clermont-Ferrand. Ici aussi, l'influence de la capitale se fait sentir. C'est un château assez incroyable, puisque le propriétaire de ce château a sollicité donc Pierre-Antoine Bélanger, qui est un célèbre architecte, hein, qui a plutôt travaillé sur la région parisienne, en lui demandant de construire un peu comme le pavillon de Bagatelle au Bois de Boulogne, et a construit une sorte de petite folie absolument magnifique. La folie, c'est un peu une fantaisie architecturale, un caprice architectural, c'est-à-dire qu'une architecture qui peut dénoter par rapport à la région et qui surtout s'apparente plus effectivement à une folie de jardin comme on pouvait voir dans les jardins du XVIIIe siècle en France. C'est vraiment un petit bijou d'architecture qui a été très vite reconnu comme un édifice remarquable. Voilà, donc on est en train de partir en direction du sud et on va approcher du château de Ravel. Voilà, le magnifique château de Ravel, c'est une forteresse du XIIe siècle et qui a été récupérée par la couronne de France
Philippe Auguste s'en est emparé. Ah, d'accord. Pour contrôler le territoire, oui, et avoir la main mise sur les ducs, les seigneurs d'Auvergne. Donc il s'en est emparé au début du XIIIe siècle. En venant du nord, le château de Ravel est le premier d'une longue série de monuments défensifs bâtis au Moyen Âge. La pierre utilisée, c'est un grès local qui s'appelle le grès d'Arcose. D'accord. Qui est une pierre assez blonde qui prend très très bien la lumière. Donc c'est un château assez lumineux, assez riant si j'ose dire, par rapport au caractère austère de la forteresse médiévale. On voit bien qu'il a été transformé pour en faire un château d'agrément ouvert sur le paysage. Alors c'est un château qui a aussi une histoire très particulière puisqu'il a servi de décor pour le film L'Écoriste qui a été tourné dans la région en 2003. Donc ça a été une belle manière de mettre en valeur cette forteresse. On quitte maintenant la Grande Limagne auvergnate et cette région du Bas-Livradois porte de nombreux pointements volcaniques. Et qui portent tous des châteaux, presque tous. Presque tous. Je dirais que c'est un peu ce qui fait, à mon sens, le caractère très particulier des forteresses médiévales en Auvergne. Lucien Gachon, qui est un célèbre géographe du début du XXe siècle, parlait de volcans à forteresses. On imagine bien qu'effectivement, il y a des volcans, des pitons volcaniques qui n'attendaient qu'une seule chose, c'est qu'on construise un château dessus. À Montmorin s'élève une place forte, érigée par l'un des plus puissants seigneurs d'Auvergne. Christian Laporte a supervisé la restauration des murs de soutènement de l'édifice. Ça me fait quelque chose de le voir depuis le ciel, parce que j'y ai travaillé pendant plusieurs années avec un propriétaire qui a à cœur de restaurer ce château un peu en lui conservant son esprit et son caractère médiéval, sa force médiévale. Quelques kilomètres plus loin, à Mauzin, se détache une autre forteresse, royale celle-ci. Le château de Mauzin est une construction qui est du début du XIIIe siècle et qui a été conçue par Philippe Auguste pour contrôler et surveiller un peu la comté et la duché d'Auvergne. Il ne voulait pas que les seigneurs d'Auvergne aient trop d'emprise sur ce territoire. Comme par hasard, il est situé juste à la jonction entre la plaine et la montagne. C'est une terre de conflit entre l'influence royale et puis l'influence des seigneurs locaux. Et chacun a eu à même d'ériger son fief et son château au sommet des pitons volcaniques. Plus grand château d'Auvergne, le château de Mauzin est également le premier à posséder un double mur d'enceinte dans le massif central. Sur les tours, les archères où se plaçaient les tireurs ont été entourées de grès blanc pour être bien visibles. On a volontairement voulu montrer de manière ostentatoire le fait que ce château était très bien défendu en utilisant une autre pierre pour les archères de tir. Ça, c'est une donnée qui n'est pas simplement constructive. On veut faire peur à l'ennemi, c'est-à-dire qu'on lui montre bien que le château est très très bien défendu. En prenant la direction du massif du Sancy, les deux hommes s'approchent d'un autre monument emblématique de la région. C'est face à l'ancien volcan que se dressent les imposantes murailles du château de Murol. Ah, c'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. C'est superbe. Superbe. Alors c'est un château qui me tient particulièrement à cœur parce que, alors évidemment, ils ont utilisé la matière volcanique, la lave, pour l'édifier.
la partie centrale, mais ils ont également non seulement construit les maçonneries, les murs, mais ils ont également taillé le rocher à facettes. Ils ont établi des facettes, vous le voyez, qui sont en continuité des murs. On s'est servi de la nature et du rocher pour en faire une architecture. Et ça donne aussi une élévation beaucoup plus importante au château. On ne peut pas retrouver un autre château, ne serait-ce que par son inscription au site, l'utilisation des matériaux et la manière dont il fait corps avec je dirais, le rocher et la lave volcanique sur laquelle il est érigé. C'est vraiment c'est un château spectaculaire. Alors là, on va avancer sous les cumulus. On risque d'avoir quelques turbulences quand on va arriver dessus. Sous les nuages, c'est ça? Sous les nuages. Mais bon, ça devrait bien se passer normalement. D'accord. L'architecte et le pilote continuent à prendre de l'altitude en direction des monts du Cantal. Ils survolent la partie sud du parc naturel régional des volcans d'Auvergne. En direction de l'un des paysages les plus spectaculaires du massif central. Le relief qu'on va aborder un peu plus loin, c'est l'immense plateau du Cézallier. Ça, c'est vraiment particulier aussi à l'Auvergne. Nulle part ailleurs en France, vous ne retrouverez ce type de paysage. À 1300 mètres d'altitude, le Cézallier dévoile un vaste paysage de steppe. À la frontière sud du Cézallier, à Apchon, Christian Laporte travaille depuis plusieurs années pour sauvegarder en l'état l'enceinte d'un édifice spectaculaire. On a dû utiliser l'hélicoptère pour approvisionner les matériaux. Ah oui. Donc, c'est un chantier un peu atypique, on va dire. Donc, c'est une restauration symbolique. Ça vous montre aussi l'attachement de tout un peuple, de tous les Cantaliens. À leur passé, hein. Le château d'Apchon, finalement, c'est quelques pans de murs ruinés, font tellement partie du paysage, ils sont tellement inscrits dans la mémoire collective qu'il n'est pas pensable de laisser ce château se ruiner de lui-même. Il faut avoir beaucoup d'humilité quand on restaure ce type de ruines. L'intervention de l'architecte, elle ne doit pas se voir. Ah, c'est superbe, je vais faire des photos. L'architecte s'approche maintenant d'un autre de ses chantiers de restauration. Le château... On va découvrir maintenant, c'est pour le coup vraiment une découverte, une sorte un peu d'ovni dans le paysage. Ah bon, d'accord. C'est un château, comment dirais-je, s'il n'y avait pas eu un concours de circonstances très particulier, n'aurait jamais vu le jour ici. C'était vraiment un château atypique et très singulier dans le paysage cantalien. Le château de la Chérelle, dans la vallée de Dienne. Un édifice hors norme. Cet ancien manoir a été transformé au début du XXe siècle par deux grands noms de l'Art nouveau, l'architecte René Dulong et le designer belge Gustave Serrurier-Bovy. C'est le seul en France et il est perdu au fin fond d'une vallée cantalienne. Vous imaginez ma surprise? Alors ça a été évidemment le coup de cœur, c'est vraiment le projet dont tout architecte du patrimoine peut rêver. Christophe Mazard, le nouveau propriétaire, a tout quitté pour venir vivre ici en famille et créer un gîte particulier. Il n'était pas du tout dans nos intentions d'acheter un château. Pour nous, c'était quelque chose de tout à fait inenvisageable et déraisonnable.
Et donc on a eu un coup de cœur, on va y faire effectivement un gîte où on pourra accueillir des gens un peu passionnés par l'art avec lesquels on pourra partager, qui apprécient l'environnement, la nature et puis les aspects culturels. Gustave Serrurier-Bovy avec l'architecte Dulon, ils ont eu une vision. Il faut que nous, on essaie de se mettre dans leur peau et de se dire qu'il faut qu'on fasse ce qu'ils auraient fait. Voilà, c'est un peu l'idée. On ne pourra jamais dire qu'on ne s'est pas trompé, mais on pourra dire qu'on s'est donné toutes les armes pour ne pas se tromper. Voilà. Tout commence en 1900, lorsque le riche industriel Pierre Felger décide de transformer son manoir en un château moderne. Il donne carte blanche à ces deux figures de l'art nouveau qui doivent leur célébrité au pavillon bleu qu'ils ont imaginé pour l'exposition universelle de 1900, au pied de la tour Eiffel. Les critiques de l'époque ont loué l'originalité de ce bâtiment éphémère, la rationalité de ses lignes et surtout l'invention d'un luxe sans clinquant. À La Chérelle, les deux hommes mêlent l'architecture des Flandres à celle de la Bourgogne. Trois années plus tard, en 1903, ils édifient un second monument à côté du premier manoir. Une construction éclectique. Vous voyez là cette façade un peu austère, un peu médiévale. Puis là on arrive dans le creux, dans la cour en creux, et tac, l'exubérance du décor. Vous voyez immédiatement dans le fond de cette façade, qui compose deux bâtiments, dans le creux, on exploite cet espace pour à nouveau une exubérance du décor, de la couleur, de la joie. La façade sud est un vrai kaléidoscope. Pour la restauration, Christian Laporte doit s'adapter à l'imagination débordante des architectes du début du XXe siècle. Donc ça, il faut immédiatement s'en occuper dans la mesure où vous allez créer vos chambres d'hôtes dans le château. Vous le voyez, on a beaucoup de petites saillies, de lucarnes, de jeux de lucarnes, de souches de cheminées. Il faut absolument régler l'étanchéité de ces parties-là. La lucarne type Amsterdam, c'est pareil. Il faut vraiment la restaurer dans l'esprit dans lequel elle est aujourd'hui. Vous voyez, elle est déversée vers l'intérieur. Hein. Vous me l'aviez fait remarquer, mais effectivement, je vous confirme, elle incline vers l'intérieur. Donc c'est pas très bon. Et il faut garder justement l'austérité de ce bâtiment et qui est égayée par ces deux, on va dire, caprices architecturaux, si j'ose dire. Hein, le perron d'entrée avec cette tuile. Là, on sent bien l'influence flamande hein, de l'architecte belge. Les trous d'envol du pigeonnier, les écrous de fixation des linteaux sur les linteaux. Exact. Ça, c'est des petits détails. On retrouve ce thème du carré un peu comme un élément récurrent. Christophe doit encore consacrer plusieurs mois aux travaux avant d'accueillir les premiers clients. On ne se lasse pas des détails, je dirais, de l'intelligence avec laquelle ça a été agencé. On apprécie la couleur, la variété. On ne s'en lasse pas. Plus on y séjourne, plus on la pratique, plus on l'apprécie. Dans l'après-midi, à quelques kilomètres du château, une voiture se dirige vers La Chérelle. À son bord, Philippe Allemand, un ébéniste de renom, spécialiste du mobilier du XXe siècle. Je suis très excité parce que, en fait, j'avais eu des échos de l'existence de ce château sur lequel était intervenu Serrurier-Bovy. Il a eu des principes très modernes de conception, entre autres du mobilier, qui ont fait que derrière, beaucoup s'en sont inspirés. Il est l'inspirateur des grands créateurs du XXe siècle. Les propriétaires du château ont fait appel à lui pour expertiser la décoration intérieure. Un ensemble unique, conçu par le grand designer belge. Cette propriété est très peu connue. C'est comme un joyau protégé dans un écrin de verdure. Et moi, je suis très enthousiaste de savoir qu'au cœur du Cantal, tout près de chez moi, existe un lieu aussi exceptionnel. Pour la première fois,
l'ébéniste va pouvoir admirer l'œuvre de serrurier Beauvie dans son décor d'origine. Dès l'entrée, le style Art Nouveau accueille les visiteurs. Alors, ce qui est intéressant ici, ce sont les verres américains qui sont très présents dans la maison et qu'on retrouve sur toutes les portes. Qui rappellent aussi les jeux de lumière, d'irisation, des carreaux. Absolument. Dans le vestibule, des carreaux de verre translucide filtrent la lumière du soleil. Voilà. Les propriétaires guident d'abord Philippe Allemand vers la pièce la plus majestueuse du château. Ah, c'est étonnant. C'est étonnant. Quelle originalité. C'est vraiment... Ouais, on est vraiment dans un lieu particulier, dans un monde particulier. C'est étonnant. On a cette grande charpente en bois qui vient un peu rythmer l'ensemble des pièces et lui donner justement des couleurs particulières, en définissant les espaces tout en restant ouverts. Et ça encore, c'est proprement incroyable pour l'époque. On est dans une certaine rigueur et en même temps dans quelque chose de très chaleureux. Nous, ce qui nous a le plus étonné, c'est de réaliser qu'ici, au fin fond du Cantal, a été développé presque un prototype qui est devenu maintenant le standard de l'aménagement, le living, quoi. C'est une maison à vivre, je dirais. Elle est faite pour vivre ensemble sans se gêner. Gustave Serrurier Beauvie a modernisé un élément essentiel de la vie cantalienne, le cantou. Une grande cheminée avec un siège qui jouxte le foyer et une horloge. Là, il n'a pas peur, dans l'horloge, d'exprimer quelque chose de très fort, à la fois parce qu'elle est en laiton, parce qu'elle est très décorative et qu'elle est là très représentative de son époque, de l'Art Nouveau. Donc en fait, autour de cette cheminée, c'est le bijou qu'il pose qui sera un œil qui, à la fois, est celui du temps et regarde l'ensemble de la pièce de cet œil luxueux. Tout ici est épuré. Comme ces colonnettes d'inspiration africaine, avec des découpes horizontales sur trois bandes, la signature de l'artiste. Il veut libérer l'espace, il veut que tout ce qui n'est pas utile disparaisse. On a une banquette intégrée, qui est là justement pour la convivialité, et tout ce qui est mobilier, qui n'a pas de raison d'être volant ou d'être déplacé, est intégré dans la boiserie. On revoit la maison avec une optique différente parce qu'il met les choses en perspective dans leur époque, dans d'autres mouvements artistiques. N'étant pas du métier de l'ébénisterie, je dirais que c'est vrai qu'il y a tout un transfert de connaissances à faire. On a la responsabilité de ce patrimoine et donc il est nécessaire aussi qu'on se fasse une petite culture à la fois technique et artistique de façon à bien faire les choses. Alors il y a aussi ce buffet qui est intéressant. Sous le miroir de la salle à manger, un meuble montre des signes d'usure. On a quelques sujets d'inquiétude. Où on voit qu'on a un petit problème de géométrie, ouais, au niveau des assemblages. Ouais, on a un jeu sous le miroir. Oui, ouais, tout à fait. Et j'aimerais bien avoir votre avis à ce sujet. Ben, en fait, donc, il s'agit d'un affaissement du parquet qui entraîne le meuble, puisqu'il est posé entièrement en boiserie sur le parquet. Mais il n'est pas abîmé, il est désassemblé, mais il ne semble pas être dégradé proprement dit. D'accord. Donc il ne s'agit pas, là, à mon avis, de grosses interventions sur le meuble proprement dit. C'est moins de travail sur le meuble lui-même que sur le parquet. En fait. Pour que les choses soient faites correctement, il faudra que le parquet soit entièrement déposé. D'accord. Voilà. Bon. Et réviser et comprendre les raisons des affaissements et les traiter. Quoi. Pour voir comment est la structure. Quoi. Voilà. D'accord. Mais il y aura un travail conséquent, là. Oui, ouais, c'est un projet qui va durer quelques c'est temps. C'est pas une petite maison, donc c'est forcément un travail conséquent. On comprend aussi que la maison bouge, qu'il y a beaucoup de choses en 100 ans qui se sont passées, mine de rien, même si tout ressemble à ce que c'était à l'origine. Parce qu'en 110 ans, il n'y a pas énormément de choses qui, d'après les éléments, qui ont bougé d'après les photos. Mais quand on y regarde de plus près, c'est vrai qu'elle vit. Elle vit comme nous. Enfin, donc voilà. Dernière surprise, à l'étage.
une pièce exceptionnelle, la chambre des roses. Intégralement conservée, ces meubles démontables ont fait la célébrité de Serrurier Bovy. En inventant cette ligne qu'il a baptisée Silex, il a marqué de son empreinte l'histoire du design. Quel modernisme pour l'époque. Alors voilà, alors là c'est typique du mobilier Silex. Tous ces meubles étaient fabriqués en série et l'assemblage extrêmement simple. Les pentures en applique. Et puis alors... Les carrés, les vis toujours bien agencées comme ça. C'est un mécano, tout tient par assemblage. Et même le miroir. Voilà, et même le miroir. Qui est escamotable. Ah ouais, incroyable. Qu'on peut cacher. Incroyable, le miroir qu'on peut cacher aussi. C'est incroyable, c'est tout à fait étonnant. Comme tous les éléments, le lit est démontable lui aussi. On rejoint presque, justement, la période du Moyen-Âge où les meubles se déplaçaient de propriété en propriété. Mmh. Et puis, j'allais dire, précurseur de l'époque que nous vivons maintenant, voilà, des grands fabricants que je ne nommerai pas et qui diffusent du meuble démontable dans le monde entier. Ouais. Il voulait s'adresser aussi bien au monde ouvrier qui pouvait acheter son mobilier, qui pouvait l'adapter et le monter chez lui, aussi bien qu'à des grands bourgeois comme ici. Et il voulait que ce mobilier puisse couvrir les besoins de tout le monde parce qu'ils étaient nouveaux, joyeux, simples et utilitaires. Dans le massif du Sancy, les pâturages se succèdent. C'est ici que des producteurs élaborent l'un des plus fameux fromages d'Auvergne, le Saint-Nectaire fermier. Bon, allez, regarde tout le trèfle là qu'on a. C'est beau, hein? Ouais. Pour la prairie, elles vont se régaler là. À la ferme de la Rose des Vents, depuis trois générations, ce sont les femmes qui s'occupent des vaches et de la fabrication quotidienne des fromages. Tu vois, parce qu'après, quand ça monte, c'est un peu moins compliqué, c'est plus compliqué. Ah oui, l'herbe, elle est aussi haute que toi, mon chéri. Ouais. Céline Golfier a 32 ans. Elle a repris en 2015 l'exploitation de ses parents. Adepte d'une agriculture responsable et biologique, pour elle, tout commence dans les prés. Là, tu trouves dans la pâture des vaches laitières. Qui est assez avancée, bien fleurie. Là, on arrive à trouver du trèfle, donc une herbe qui va être quand même riche en azote et qui va être bonne pour apporter de l'azote naturel aux vaches. Et après, on va avoir le dactyle qui va permettre, là, il est déjà bien en fleur, qui va permettre de faire ruminer la vache. Donc, on a un bon équilibre pour les vaches, là, pour qu'elles digèrent correctement. Chaque soir, elle rassemble le troupeau de 80 Montbéliardes avec sa mère et ses enfants. Allez les filles! Allez les vaches, on a allez! Allez, allez, allez! Evelyne, la maman, l'aide encore pour la traite. Allez, 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 allez! Allez les filles, allez! C'est deux fois par jour, matin et soir. La traite, on attaque le matin à 5h30 et le soir, c'est 16h30. C'est une chance de travailler avec ses enfants parce que ça permet de continuer l'exploitation en douceur parce que nous, vieillissant, bien sûr, on est content d'avoir des jeunes qui s'installent pour pouvoir continuer avec eux à transmettre. En prenant la suite de ses parents, Céline entend donner à l'exploitation un souffle nouveau. Allez. À l'entrée de l'étable, elle a fait installer récemment un brumisateur pour le confort de ses laitières. Les fines gouttelettes éloignent naturellement les mouches et les bêtes sont plus calmes. Une vache qui va se sentir bien physiquement, bien dans sa tête, et bien elle aura envie de donner du bon lait pour lui donner un bon fromage. Du travail, mais avec l'amour du métier, enfin, je veux dire, on vit bien, on est heureux et on valorise un beau produit et une tradition et un savoir-faire. Allez,
Autre changement, pour le bien-être de ces vaches, elles passent un moment avec chacune d'entre elles après la traite. Ma Splendeur, ma Tonique, les Biomes. Qu'est-ce que tu fais, Splendeur, ta matin? Là, je les caresse, on passe un moment ensemble, elles ont tout un nom. Moi, je donne un nom en fonction du ressenti pendant la naissance. Et du coup, enfin voilà, elle s'appelle Splendeur. Je les apprends aussi à reconnaître leur nom pour qu'ensuite, on puisse bien communiquer et échanger entre nous. Dès qu'elles seront malades ou pas bien, elles seront rassurées. Moi, aujourd'hui, je suis capable de les soigner, je les soigne toutes seules. Parce qu'elles sont, très calmes. Pour une fille, c'est pas toujours facile. Il faut des fois être costaud, quoi. Mais là, elles sont tellement en confiance avec moi. C'est un rapport d'éducation, de respect et de confiance entre nous, quoi. Là, elles sont tranquillou, là. Puis elles ont faim, là. Elles ont qu'une envie, c'est juste de mettre le foin, et puis voilà. Après les soins, Céline nourrit le troupeau qui va passer la nuit dans l'étable. Chaque soir, 300 kilos de foin sans aucun traitement chimique. Autre innovation, elle amène les mères à leurs petits, une pratique oubliée dans la plupart des élevages. Cette étape-là, elle est très importante parce que du coup, on respecte les deux. J'ai surtout remarqué que quand on faisait ça, les vaches étaient moins malades. Parce qu'une vache qui va être mieux dans son corps, mieux dans sa tête, eh ben, c'est comme nous, en fait. Hein. Et c'est le but hein, pour nous. Hein. Nous, éleveurs, on doit être capable de voir quand elles sont tristes hein, et de les aider pour qu'elles se sentent mieux. Hein. C'est ça, notre métier aussi. Hein. Le lendemain, Céline a 80 km à parcourir pour rejoindre d'autres producteurs du Cantal qui partagent son approche. Ensemble, ils ont créé l'association Éleveurs Autrement. C'est une association qui a une philosophie d'élever les animaux autrement, de respecter le vivant. Donc quand on parle de vivant, on parle sur une ferme de trois choses essentielles, c'est-à-dire eh ben, les animaux, les végétaux, donc nos prairies pour nous en zone de montagne, et les hommes. Voilà. Le but pour nous, c'est qu'on retrouve notre âme d'éleveur. Qui aujourd'hui, malheureusement, avec tout ce qui se passe au niveau administratif et au niveau, je dirais, orientation politique agricole, on oublie notre métier de base d'âme d'éleveur. Et nous, on veut vraiment défendre ces valeurs-là, à travers donc, nos formations, nos réunions, voilà. C'est ça, hein, le métier d'éleveur, hein, c'est d'être avec le vivant et pas de considérer le vivant comme une machine. Hein. Céline traverse le massif des Monts d'Or en direction de la ferme de Langres. C'est là que les membres de l'association se sont donné rendez-vous pour une formation au reboutage. Quand on parle de respect au niveau des animaux, eh ben, si on a envie aussi de les soigner respectueusement, eh ben, il faut, voilà, y a des petites techniques à savoir. Et donc voilà, c'est ce qu'on essaie d'apprendre, de s'apprendre entre nous, on va dire, entre éleveurs. Aujourd'hui, ils sont 8 à vouloir se perfectionner à cette méthode de soins que les éleveurs pratiquaient autrefois. C'est Eric, lui-même éleveur, qui assure la formation. Bon, on va commencer. Donc aujourd'hui, on est là juste pour essayer un petit peu de comprendre pourquoi on fait du reboutage sur les vaches. Donc dans un premier temps, les colonnes vertébrales qu'on a sur les vaches sont exactement comme ça. Les vertèbres. Aujourd'hui, il va leur apprendre à dénouer les tensions au niveau de la colonne vertébrale. Une vache qui trébuche, une vache qui glisse, quelque part, on a un muscle qui tire et l'animal reste bloqué donc dans cette position. Le seul boulot qu'on aura à faire, c'est d'envoyer une vibration suffisante du côté de la tension et donc la vertèbre, doucettement, au bout d'une journée ou deux, revient à sa place. Donc qui veut le faire? Céline. C'est Céline. Téné. Et désigné volontaire. Sur son troupeau, Céline pratique déjà le reboutage. Gazelle. Bonjour Gazelle. Donc ce que je vous demande de faire, ben voilà, c'est que doucettement, vous allez mettre les mains d'un côté et puis vous allez essayer de demander à vos mains qu'elles vous montrent des endroits où c'est un peu tendu par rapport à d'autres. Elle est tendue de ce côté-là. On sent qu'elle est un peu plus dure.
Là, ça va mieux de ce côté. Bah, au départ, on sentait que c'était un peu une contracture, comme nous, quand on a mal au dos, on sent que ça fait comme un peu une petite bosse. Et là, du coup, de la soulager, eh ben, on sent que ça devient beaucoup moins dur. Voilà. D'où cette tente, tu donnes une petite... Voilà, tu enlèves ses doigts pour que ça vibre plus. Et tu fais tout. Ah oui, mais c'est... Allez, comme ça. Un petit coup sec. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Et puis, encore cette zone, là. Voilà, allez, encore un coup. Hop. Voilà, c'est bon. Le vrai prof, il est là. Parce que l'animal, on sent que c'est souple, voilà. La vache va bien, quoi, voilà. Elle est là, et puis elle va nous le dire, vous voyez, aucune oreille qui bouge sur l'animal. Voilà. C'est là, tu vois. Tu sens pas que c'est plus dur ? Tiens, regarde. Elle le montre aussi, tu vois. Donc tu fais confiance à tes mains, tu réfléchis pas, tu peux fermer les yeux. C'est une question de ressenti. Hein. Pendant 3 heures, les stagiaires approfondissent leurs connaissances. C'est plus là, donc t'es un peu comme Céline. Ah, ouais, déjà c'est mieux. Eh ben oui, faut suivre la colonne vertébrale. Tu vas venir de mon côté. Bruno, un autre formateur, montre à Flavien et à Aurélie une technique plus délicate. Tu vas lui monter le nez là. Monte-lui le nez là. Encore. Allez, brioche, tu nous aides. Lève encore, lève le nez. Voilà, tu vois, on met le cou en tension. Quand on arrive ici, voilà. Jean-François, le propriétaire du troupeau, a découvert cette méthode avec l'association. Je t'ai dit qu'il y aurait du monde, hein. J'ai pas eu beaucoup à être convaincu. Donc c'était un petit peu mon état d'esprit. Les écoles d'agriculture, elles nous apprennent plus à observer notre troupeau, nos vaches. Il y a des générations où ils le faisaient. Donc il y a des générations où ça s'est oublié. Et du coup, on remet ça un petit peu en route. Et je trouve que c'est vraiment dommage que j'ai 55 ans et de l'apprendre aujourd'hui, quoi. Et c'était à 20-25 ans qu'on aurait dû le savoir et pouvoir pratiquer. Le soir, à la ferme de la Rose des Vents, Céline retrouve sa mère pour la fabrication du Saint-Nectaire. Pour bénéficier du label fermier, il doit être élaboré avec le lait frais et entier, immédiatement après la traite et sur l'exploitation. Ce qu'on appelle le moulage, c'est qu'on va prendre la forme du Saint-Nectaire, là. Et vous allez voir, ça va se durcir assez vite. J'adore la fabrication, j'adore l'alchimie que ça provoque. En gros, le fromage, il se fait ici. Le caillé est bien fait, le sérum est très jaune. Je sais que tout va bien, je sais que mon fromage, logiquement, il va être bien. Voilà. Ça, c'est très important. Chaque semaine, les deux femmes confectionnent 100 tomes. L'appellation impose des normes très strictes. Chaque fromage doit mesurer 21 cm de largeur et peser 1,7 kg. C'est vrai que c'est plutôt le coin de maman, là, d'être à la fabrication. Elle, ça fait très longtemps qu'elle fabrique le fromage, donc voilà. Moi, c'est l'élevage, avec les vaches. C'est l'élevage et j'aime bien aussi l'affinage dans la cave. Dans la cave, taillée dans la roche volcanique, les Saint-Nectaire fermiers se transforment. L'affinage dure entre 6 et 8 semaines. J'ai toujours aimé venir dans la cave, frotter les fromages, les tourner, l'odeur de la cave, l'ambiance de la cave. On est bien ici, on est vraiment... Il y a une ambiance qui nous rend calme, on est avec les fromages. Là, on donne vraiment une âme au fromage.
On a les premiers, ça c'est ceux qui ont 8 jours de fabrication, qui ont été lavés déjà une fois à l'eau salée. On fait jusqu'à 2 lavages, ça c'est le minimum pour pouvoir avoir l'appellation Saint-Nectaire. Ensuite, au bout de 2 lavages, et ben là voilà, ils ont 15 jours et là on a le poil de chat, donc la moisissure du fromage qui va faire la croûte du fromage qui apparaît. C'est ce qui va aussi donner le goût au fromage. C'est très important voilà, d'avoir cette moisissure, mais il ne faut pas qu'elle prenne trop le dessus non plus, parce qu'après, on a un croûtage qui va être épais. Et la croûte trop épaisse, il y aura moins de fromage à manger. Donc là, après, nous, notre travail, ça va être de les frotter pour bien enlever cette moisissure, pour pas qu'elle pompe l'humidité du fromage. Moi, j'ai l'impression que tes moisissures sont plus importantes que de ce côté. Oui, c'est sûr. Progressivement, la croûte de moisissure prend forme. C'est elle qui donne un goût de noisette à ce fromage. Le toucher est très important. Et moi, je compare souvent ce métier avec la cuisine. Parce qu'on n'a pas de recette absolue. On a une trame de savoir depuis des générations. Mais il faut sans cesse s'adapter. Il faut toujours être là pour voir quel est le bon moment. Et ça, on utilise beaucoup le toucher. C'est une histoire de femme et c'est surtout aussi une histoire de famille, puisque c'est ma belle-mère qui, il y a à peu près 50 ans, était aussi dans la fabrication. Donc c'est une transmission familiale. Et peut-être ça va continuer, parce que vous avez vu, avec nos petits-enfants, peut-être qu'un jour, Jade ou Johan seront intéressés. Ça serait formidable. Voilà, ben moi j'ai presque fini de mon côté. Céline, je ne sais pas où tu en es. Ok, ben moi il me reste les 2 planches du haut. Voilà. J'ai fini aussi. Et donc après on ira récupérer les fromages blancs pour les rentrer. Hop, on va s'arranger. Un mois plus tard, dans les prairies de la ferme, c'est un grand jour pour Céline. Ben, on va partir faucher là. On va partir faucher là, ouais. Pour la première fois, son père va lui apprendre à passer la herse pour la coupe des foins. Voilà, et tu enclenches ta marche avant. Bon. Là, et tu fais l'avancement avec la molette, là, vas-y. Voilà, comme ça. Tu regardes ton rétroviseur et c'est bon. Si elle veut prendre la succession, il va bien falloir qu'elle sache tout maîtriser. Donc là, c'est l'occasion, la parcelle est belle, l'herbe est bien droite, donc elle connaît déjà la manipulation du tracteur, donc a priori, ça devrait le faire. Quand tu vas arriver en bout de rang, tu lèves et tu tournes. Et donc lève, c'est le... C'est le deuxième. Première difficulté, Céline doit vérifier la hauteur de la herse pour une coupe régulière et maîtriser aussi la trajectoire du tracteur. Encore, tu tournes, braque. Lève, lève, oh, freine. J'ai levé. Il faut reculer là. Ça fait 32. Vas-y. Voilà, c'est bon, tu ravances et tu braques tout à droite. Tu ravances et tu braques tout à droite. Tu ravances, oui, mais c'est que j'ai pas grave. Tu ravances. Céline est un peu stressée. Son examinateur est exigeant. Braque. Je suis fou, hein. Et je lève aussi. Ah non, pas encore, il faut faucher là, complètement. Non, là. Après une heure de travail, la prairie est quasiment fauchée. Le verdict tombe. Alors, comment ça se passe? Très bien. Pour une première approche, satisfaisant. La note sera au-dessus de la moyenne. Ah, oui, d'ici 2 ans, la jeune femme sera seule pour tout gérer sur l'exploitation. Au sud de l'Auvergne, les prairies d'altitude des monts du Cantal. C'est le territoire des burons, ces abris de pierre utilisés pendant la période de l'estive.
tiré. Hein. Oui, je vois, il est déjà, le train est déjà passé, mais bon, ça fait partie de la mission. Accès au bureau, c'est toujours délicat. Hein. Le chemin, même avec un véhicule bien équipé, c'est quand même pas facile d'accès. Hein. Francis Rome est inspecteur des sites pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce matin, il emprunte la piste qui monte vers le col du Puy-Gros pour inspecter des burons qui viennent d'être restaurés. Jusque dans les années 70, les producteurs y montaient au beau jour, avec leurs troupeaux, pour y fabriquer les fromages de la région, le Cantal et le Salers. Sur les 1000 burons que comptait ce massif, seuls 3 sont encore en activité. C'est un patrimoine qui est un ensemble avec les montagnes, avec le paysage. On ne peut pas penser le paysage des monts du Cantal s'il n'y a pas de burons. Alors ces burons, ils ont été abandonnés dans les années 60-70 quand on a changé l'utilisation des montagnes. Avant, on avait des montagnes à lait. Aujourd'hui, on a des montagnes à viande, en quelque sorte. On n'a pas la même utilisation, même si on entend les cloches, même si on voit les troupeaux. C'est plus tout à fait le même usage. Pour cette tournée d'inspection, il est guidé par Bernard Montimard. Avec l'association Buron du Cantal, il se bat depuis 20 ans pour sauver ce patrimoine rural. Bernard connaît toutes les pistes du massif. Les chemins sont difficiles parce qu'ils sont glissants et caillouteux à la fois. Hein. La terre se transforme vite en boue quand il pleut. Il leur faut une heure pour atteindre le premier site. On ne peut pas aller vite dans ces montagnes. D'ailleurs, on ne va pas vite dans la voiture, on ne va pas vite pour bâtir, on ne va pas vite pour regarder les paysages non plus. Il faut en profiter. C'est là qu'on apprécie la montagne et les burons. Tu vois, dans le boulot, il y a des moments de plaisir. Tu vas le voir, le moment de plaisir. Regarde bien devant, aujourd'hui, c'est impeccable. Ah, il y a une mise en scène extraordinaire. Voilà, c'est du cinéma, je pense. Voilà, le volcan Cantalien, le grand volcan Cantalien. Panoramique voilà. Sur le Puy Griou, exceptionnel. Là, vraiment, c'est fantastique. On descend, on respire. C'est ici, face à ce panorama unique, qu'un couple de passionnés a donné une seconde vie au Buron de Nircombe, l'un des plus beaux du Cantal. Voilà, alors voilà Nircombe. Exceptionnel. Voilà sa fumade. Thiézac au fond, là-bas dans la vallée, si tu regardes bien. La vallée de la Serre. La vallée de la Serre qui s'en va dans le Lot. J'ai rencontré Isabelle et Frédéric et j'ai vu que c'était des amoureux des belles choses, qu'ils allaient respecter les lieux. Bernard Montimard et les membres de l'association ont conseillé et aidé les nouveaux propriétaires. Écoute, il me rappelle quelques souvenirs, ce bureau. Hein. Oui, il y a du travail hein, derrière. On en a remonté des cailloux. Ouais. C'est marrant parce que quand on voit comme ça, on a l'impression qu'il n'a pas bougé. Hein. Le lichen est posé, les voûtes n'ont pas changé et en fait, non. Tout ça est posé sur la voûte. Voûte avec des pierres vraiment cueillies sur place. Hein. C'est presque la cueillette de rochers. Et la voûte est montée en appui sur ces gros murs énormes et qui tiennent le poids de la voûte qui aurait tendance à écarter les murs. Un patrimoine sauvegardé, c'est toujours quelque chose d'exceptionnel. Hein. Ça fait chaud au cœur. Et là, quand on voit la qualité des travaux, la qualité de la restauration, le souci du détail, la reprise des pierres au maximum qui étaient sur place, on peut être que à la fois conquis et très satisfait. C'est l'histoire d'un sauvetage, finalement, in extremis. Oui, oui, on a le sentiment d'être arrivé, d'être passé au bon moment. Voilà. Pour cette maison de vacances, Isabelle et son mari ont respecté l'architecture traditionnelle avec cette voûte de pierre autoportante, sans charpente. Ces pierres sont calées entre elles, juste par de la terre qui les coince, une terre un peu sablonneuse, mais juste une terre. Et c'est ça qui fait, c'est leur poids qui fait leur solidité. S'il y en a une qui commence à partir, tout se démolit un après l'autre. Seules des petites fenêtres ont été créées pour profiter du panorama. Donc la voûte s'arrêtait par là.
Là, on voit bien qu'il y a un intérieur qui est contemporain, qui est pour nous réussi. On n'a pas des ouvertures considérables, on a respecté les ouvertures, la hauteur, la forme des voûtes. La cheminée est encore présente. Et donc, ça, c'est ce type de restauration qu'on souhaite valoriser et développer. Lorsqu'ils n'occupent pas leur buron, les propriétaires le louent à des amateurs de la nature. Il fallait le faire vivre. Pour le faire vivre, il fallait qu'il soit habité. C'est comme ça qu'on a décidé donc de le louer et revivre un peu l'émotion de la montagne et des gens qui ont habité la montagne quand ils ont construit ce bureau. Ça veut dire qu'on est dans un musée vivant. Oui, oui, on est là, au milieu des pierres qui ont été quand même... Enfin, moi, ça me fait quelque chose quand on voit la courbe du seuil. Quand on imagine la dureté de la pierre pour pouvoir la creuser comme ça, et on imagine vraiment là, voilà. Les passages... Je suis toujours ému parce que je suis attaché à mon pays. Je suis attaché aux gens qui l'ont fait parce que cette montagne, elle est vraie, elle est vivante. Et il y a des gens qui l'ont modelée et il y a des gens qui continuent à la faire vivre et à la modeler encore. Le bureau, c'est une œuvre d'art dans la nature. Il faut être un artiste, artisan et artiste. Comme le bureau de Nircombe, une trentaine de ces anciennes fermes d'altitude a été transformée en gîte ou en restaurant. Francis et Bernard s'approchent maintenant du bois de tête, une forêt de hêtres très dense. Ils se dirigent vers le buron que Bernard a réaménagé en refuge. Pour ce natif du Cantal, ces abris de pierre sont une longue histoire familiale. Tout attaché au buron parce que j'ai un grand-père qui était très attaché, qui avait été berger dans ces montagnes et qui, quand, dans les années 50, a acheté un buron, alors que c'était peut-être pas la mode à l'époque. Ça fait la fierté de la famille et il est encore là dans les montagnes. Dans la vallée de la Serre, Bernard a racheté le buron de la Fumade Vieille en 1975. Alors totalement en ruine. Il l'a patiemment rebâti pendant plus de 10 ans. Là, je suis chez moi. Hein. Là, c'est à la Fumade Vieille. Pour accueillir des randonneurs, Bernard a dû demander l'autorisation de créer des ouvertures sur le toit. Je savais que je ne pouvais pas faire d'ouverture de lucarne face à la montagne. Parce que ça risquait d'impacter la vue des gens qui se promènent sur le JR400, qui se promènent sur le Puy-Mary, par les reflets que provoquaient les lucarnes. Le refuge fait face au grand site de France, Puy-Mary, volcan du Cantal, avec ses chemins de grande randonnée. Les restaurations du buron de Bernard devaient impérativement passer inaperçues depuis les pentes du volcan. Ce qui a été choisi, finalement, c'est un juste milieu. On a autorisé un certain nombre d'ouvertures, peut-être pas autant que l'aurait souhaité le propriétaire, mais malgré tout quelques-unes. On les a imposées sur un pan de toiture et pas sur un autre. Globalement, on a pris en compte un besoin de modernité, finalement. C'est la fin de la journée. À la chambre, les deux hommes atteignent l'un des burons les mieux intégrés au paysage. Transformé en gîte, il a ouvert ses portes en 2016. La particularité de celui-ci, c'est qu'on en a vu de différentes formes, de différentes caractéristiques, orientées différemment par rapport à la pente. Celui-là, il a à la fois la loge à cochons, le bâtiment, et le buron qui est encastré en fait finalement dans le terrain, c'est il est planté dans le terrain, il est planté ouais. Contre la pente, et c'est le terrain qui lui fait sa cave, la valeur de la cave qui gardait la fraîcheur et qui est enfoncé dans ce sol comme ça. À l'intérieur, la décoration est inspirée par le mode de vie des éleveurs. Les bureaux d'antan, ce n'étaient pas des bâtiments faits pour être habités, c'était des bâtiments de travail. Le challenge de la restauration, c'est de transformer un habitat qui était fait pour être humide, pour être frais, pour conserver du fromage, dans un habitat qui est fait pour être au contraire chaud, sec, dans lequel on s'y sente bien.
Dans chaque pièce, une cheminée. Dans les chambres, les lits sont recouverts de peaux de bêtes. Pour la salle de bain, les mangeoires en pierre de lave ont été transformées en lavabo. Il y a beaucoup d'insouciance au départ, quand on se lance dans ce projet. On a mis 7 ans pour restaurer cet endroit. Et c'est vrai que quand on met ensemble toutes les conditions liées à l'accessibilité, liées à la météo, liées à l'humain, évidemment, et toutes les histoires qui ont habité la restauration de ce bureau, ça fait une belle épopée. On retrouve, je dirais, le goût avec la simplicité de la nature, du silence, de la vie du ciel. Le soir ici, il y a un ciel qui est majestueux. Et tout ça, c'est des choses qu'on oublie en ville. Kilomètres plus à l'est, dans le Livradois, une épicière ambulante commence sa tournée. J'ai bossé dans des magasins bio, j'ai bossé aussi à Paris dans une asso de sensibilisation à l'agriculture biologique. Et par hasard, j'ai lu un article sur les épiceries bio qui partent en campagne. Quand j'étais à Paris dans mon bureau, et c'était un peu une petite blague au début de dire bah vas-y, on fait ça ici. Et voilà, c'est fait. Mon frère s'était installé ici avec ma belle-sœur et ma nièce, donc je venais leur dire bonjour et à force de venir là, de faire la route, de venir les voir, je trouvais que c'était quand même assez... C'est beau, c'est grand, c'est dégagé, il y a plein de choses à faire. Ici, il y a des points de vue fous, des points de vue, des couchers de soleil, des levées de soleil, une luminosité qui a coupé le souffle tous les jours. Au moins une fois par jour, je me dis, ça c'est trop beau, quoi. C'est beau tous les jours. Il y a 2 ans, Maud Lejeune a quitté la région parisienne pour venir vivre ici, au cœur du parc naturel régional du Livradois-Forez, à l'est du Massif central. Avec son chien Largo, Maud fait étape tous les jours dans 5 villages ou maisons isolées. L'esprit des produits, c'est au maximum en local. Je suis à 89 produits locaux et 140 produits bio. On peut dire que je suis une épicière militante. Bonjour, vous allez bien? Ça va avec le beau temps. Ah ben oui, ça fait du bien là. Ça va nous faire du bien. Vous avez mon miel? Un miel de montagne. Les truites? Filet de truites, toujours. Alors les truites, elles viennent juste d'à côté, à Augerolles. C'est un jeune couple qui a repris la pisciculture il y a 1 an et demi, presque 2 ans maintenant. C'est pour ça qu'on lui prend, parce que ça vient d'ici, c'est que des produits naturels. Et puis vraiment, à côté, la pisciculture, on n'irait pas, nous. Si elle ne nous amenait pas les produits, on n'irait pas. C'était de développer ça, quoi, et de montrer qu'il y a des produits un peu partout, quoi, autour de nous, et ça vaut la peine de faire travailler tout le monde. Alors, les truites, fromage et le miel, là. C'est parti. Après le premier arrêt de la journée, Maud continue sa tournée. Le projet global, c'est de recréer quelque chose qui existait et qui est attendu, en fait, quand même. Enfin, il y a un manque, il y a une espèce de nostalgie.
Il y a une petite madeleine de Proust. Après, il y a aussi cette remarque qui revient souvent. Les produits ont le goût de ceux qu'il y avait autrefois. Donc de retrouver cette qualité, ce goût, j'aimerais que les gens se rendent compte qu'une nourriture de qualité est respectueuse de l'environnement, surtout. Ça peut permettre à une modification, à un changement d'habitude, à un changement d'esprit. Si ça peut faire un effet domino, pour moi, c'est gagné. Au Brugeron, elle est attendue par un client fidèle. Ça évite de prendre la voiture, d'aller courir dans tous les petits coins, quoi. C'est vrai que si on veut manger des produits locaux, ici, il faut faire des kilomètres, quoi. Et Maud se charge de faire les kilomètres. Allez. C'est reparti. Marco est en place. L'épicière itinérante a maintenant 5 km à parcourir pour regagner un autre village, Domez. Bonjour Cécile. Bonjour, ce matin. Elle y retrouve Cécile, qui ne manque jamais son passage. Alors comme d'habitude, j'ai pas oublié mon panier. Trop bien. Il y a 50 personnes qui sont les mêmes depuis le début. Enfin, ce qui est assez énorme, parce que c'est... Enfin, 50, c'est pas beaucoup, et en même temps, de savoir qu'ils sont là chaque semaine, ça, c'est le plus important, quoi. C'est le côté... Et c'est là qu'on peut créer un lien et avoir cette affinité avec les gens. Tu as des noisettes, ouais. Parce que j'ai oublié de t'en prendre l'autre jour. J'achète souvent en vrac, parce que comme ça, il n'y a pas de gaspillage pour la planète. Si tout le monde faisait comme moi, eh ben, je pense que la Terre serait autrement... Elle serait plus belle. Est-ce que tu veux des pommes? Il m'en reste un peu cette semaine. S'il te plaît, Maud. Combien t'en veux? Un bon kilo. Recherche bio locale, donc du coup, voilà, c'est vraiment des produits que je recherche. Après, il n'y en avait pas qui passaient avant, hein. Enfin, personne ne passait, donc je trouve que c'est une bonne démarche professionnelle. C'est acheter, mais c'est aussi voir Maud. Maintenant qu'on se connaît, on est devenus un peu amis. Enfin, amis, j'allais dire, on discute de plein de choses aussi. Elle prend le temps. Je trouve qu'elle, même si elle est pressée, elle prend le temps de discuter avec ses petites clientes. Hop. Allez, bonnes vacances, Maud. Oui, merci. Au 7 juin. Bientôt. À bientôt. Salut. Pendant ses tournées, Maud en profite pour passer chez les producteurs avec qui elle travaille. À Vollorville, cette éleveuse élabore du fromage de chèvre, des briques du Forest Bio. Je sais qu'Ariane ne fait de l'élevage correctement. Elle soigne ses bêtes aux huiles essentielles, ce qui est assez important de savoir comment ils sont soignés et du coup comment ils vivent aussi. Donc chaque semaine, je les vois. C'est aussi, c'est pas une fois par an, je vais voir les chèvres. C'est toutes les semaines, je passe ici. C'est un moment assez chouette. La plus petite chèvre qui est là, c'est Zozo que j'ai adoptée et qui va rentrer à la maison bientôt. Hein, Zozo. Ça y est, je te prépare tes fromages. Tu dévoiles ta petite chérie, Zoé? Oui. Elle va bien? Elle va bien, Zozo. Alors, je t'ai mis un sans sel pour ta petite mamie. Oui, trop bien. Des briques bon et une petite pyramide. Parfait. Parfait. Merci. À la semaine prochaine. Eh bien, oui. Arrivé chez le client en disant, je sors de chez le producteur, on vient de mettre les trucs sous vide, ou le fromage a été fait ce matin, ou j'ai vu la traite, ou que ça met une histoire en plus sur le produit qui est assez importante, je pense. À Courpierre, Maud fait un arrêt dans un ancien site industriel. Le parc naturel régional du Livradois-Forez aide des producteurs et des artisans à s'y installer. Hugues Selvaggini y a créé une micro-brasserie. Est-ce qu'il te reste de la bière blanche? Ouais. Je suis juste en train de lancer un brassin, si tu m'accompagnes, et après on s'occupe de ta bière. Cet ancien cadre dans l'industrie a lui aussi changé de vie. Et donc là, je suis en train de brasser ma bière. Donc là, je fais la première opération d'empâtage.
Et là, c'est du malt? Alors, c'est du malt concassé, ouais, effectivement, là, qui trempe dans de l'eau à 60 et quelques degrés. Je vais l'incorporer, ouais. Donc... voilà. Donc là, tu vois, on appelle ça l'empattage en brasserie, en fait. Hein. Et après, ça va tourner pendant combien de temps? Ben là, c'est un processus qui va durer pas loin de 3 heures, en fait. D'accord. Voilà. Et là, ça va être une bière blonde, brune? Ben là, aujourd'hui, on fait de la blonde, en fait. C'est de la blonde, voilà. C'est celle qui part le mieux, donc ça, c'est cool. Nous, on a la chance, finalement, d'avoir des gens comme Maud qui comptent pas non plus leurs heures pour aller promouvoir les petits artisans comme nous et qui ont envie de vendre un produit, finalement, qu'on va pas retrouver sur toutes les étals. Les deux, pareil, pour la semaine prochaine. Deux, pareil, pour la semaine prochaine? OK. On est sur du circuit ultra court, c'est-à-dire qu'entre le consommateur final et le producteur, il n'y a jamais plus d'un échelon. Je pense que c'est ce qui fait aussi notre force. L'épicière termine sa tournée. Elle s'arrête chez une autre habituée, l'une de ses premières clientes. Bonjour. Bonjour Maud. Ça va ce matin? Ça va, merci. Simone Tissandier vit seule dans ce hameau. Ah, le soleil vient. Oui, ça y est. Elle fait toutes ses courses chez Maud. Alors, c'est parti. Ah non, c'est parti. Alors, le jus d'orange. Oh, il y a peut-être 30 ans. Oui, 30 ans, il y avait un épicier qui passait une fois par semaine. Et depuis un an, ça m'a changé la vie, moi. Hein. J'ai de bons produits qui viennent à domicile me retrouver. Ah oui, je suis très contente. Et elle est très gentille. La crème tartinée. J'aime mieux les petits bocaux, hein. Ah, et ben il me reste un petit. Oui. Je connais ses petites habitudes. Donc chaque semaine, on a au moins la base des mêmes produits et c'est assez. Enfin, voilà. Je mets de côté ce que je sais ce qu'elle aura besoin et chaque semaine ce sera la même chose. Donc... Au début, certains étaient méfiants. Ils disaient oui, mais les produits bio sont beaucoup plus chers. C'est pas vrai. Ah oui, on retrouve le goût. C'est vrai, les premières fois, je lui ai pris du cacao. Ah, tout à fait le goût quand j'étais gamine, que mes parents achetaient, nous faisaient manger. Ah oui. Et tous les vermicelles aussi, hein. Mm. Ah, ça fait une meilleure soupe, tout est bon, hein. Vous connaissez un peu le régime de chacun de vos clients, vous faites attention à ce qu'ils mangent? Un peu. Elle me réduit. Je réduis les pâtes à tartiner de 1 à 2, parce que sinon c'est un peu beaucoup. Oui. Eh bien, j'aurais fait les provisions. Avec chacun, j'ai une relation bien particulière et qui est plus que la clientèle, quoi. Les gens sont accueillants. Après, il y a ceux qui n'ont pas envie de venir et c'est comme ça. Mais il y a des gens qui ont compris que c'était vraiment la dynamique rurale, de remettre un peu d'ambiance dans les villages et de recréer quelque chose. Donc je pense qu'il y a quand même un manque et les gens accueillent ça d'une façon assez positive. Après, il y a des endroits où je ne vais pas et c'est comme ça, mais je ne sais pas si ça va être un succès. J'espère que ce sera un succès. Et après, pour moi, d'avoir créé mon job et d'avoir pu le faire pendant déjà une année, c'est déjà gagné, quoi. Le succès, il est là, en fait. C'est ça qui est important. Il est 17h. Maud retourne chez elle. Elle a acheté avec son compagnon un ancien corps de ferme. Dans ce hameau, à 1000 mètres d'altitude, au cœur du parc naturel. Chaque soir, le couple restaure la façade en pisé. Je sais pas où est l'éponge. Bah moi, j'ai le pinceau. La technique de construction traditionnelle dans le forêt. Pas sûr qu'on a... Ça va pas être beaucoup, hein. Ouais, vas-y. Le piset, c'est tout simplement de la terre, hein. C'est le produit local le plus facile à trouver que les anciens mettaient en œuvre pour réaliser leur maison. La terre ayant suffisamment d'argile, eh ben, ce mélange suffit à ce que le mur tienne, hein, puisque la maison elle date de 1886 et elle est toujours là. Et on espère bien qu'elle va être encore là bien longtemps. Donc on essaye de la restaurer selon les techniques un petit peu anciennes, uniquement donc avec cette terre qu'on peut réutiliser et réexploiter entre guillemets un peu à volonté. Dans le parc, il y a quand même pas mal d'organismes qui sont là pour réinvestir ce travail. Et du coup, on est accompagné par un maçon artisan pisé qui nous explique ce qu'on doit faire et on essaye de l'appliquer correctement.
mais c'est un peu le but d'être là aussi, c'est réinvestir ce territoire. Et on est une trentaine de jeunes à s'être réinstallés cette année. Il y a des gens qui s'installent, qui veulent devenir paysans, producteurs. Il y a de l'élevage, donc il y a vraiment, c'est réinvestir le territoire personnellement et professionnellement. Maud et Jean-Baptiste se donnent un an pour terminer leur maison. À une cinquantaine de kilomètres des monts du Forez, le géologue Pierre Lavina entame ce matin un survol de l'est du massif central. Peu de gens le savent, on est dans une des grandes régions de pierres précieuses et semi-précieuses en France. C'est une histoire qui a marqué ce territoire, mais c'est une histoire un peu oubliée depuis les années 60. Pierre se bat pour faire renaître cette histoire de l'extraction des pierres précieuses dans cette région. Une histoire liée au volcanisme. Vous imaginez qu'il y a de cela entre 35 et 20 millions d'années, il y avait ici un grand lac qui s'étendait de Bourg-en-Bresse que je vais reguérer. Et ce n'est que vers 20 millions d'années que cette plaine a commencé à s'assécher tout doucement et à produire dans des zones marécageuses des volcans. Les volcans du Puy-de-Dôme, vieux seulement de 100 000 ans, dominent aujourd'hui la plaine de la Limagne. Pourtant, dans une période beaucoup plus ancienne, d'immenses cônes volcaniques recouvraient déjà cette zone. Presque invisible aujourd'hui, il en reste cependant des traces, comme ici, au puits de Nonette. Ce sont des volcans qui sont formés il y a 18 millions d'années, mais qui ont perdu pratiquement toutes les formes extérieures, comme on peut voir dans la chaîne des puits. On ne voit plus de cratères particulièrement, parce que l'érosion l'a complètement dégagé. Ce petit piton volcanique, formé par de la lave pétrifiée, est tout ce qu'il reste d'une montagne qui devait atteindre 6000 mètres d'altitude. Un peu plus loin, à Husson, s'élève une autre butte de basalte. On peut deviner d'ailleurs, sur le flanc sud de ce volcan, une carrière où il y a des très belles orgues volcaniques. Ce sont des prismes de refroidissement de la lave lorsqu'elle était à l'intérieur de ce cratère. Et puis, tout en bas, on voit une église romane avec son clocher. C'est ce qui reste de l'ancien château d'Husson, qui était une grande forteresse dans laquelle a été emprisonnée la reine Margot, la reine Marguerite de Valois. Et cette fameuse reine Marguerite de Valois, qui était une femme très belle, femme d'Henri IV, se parait de pirailles. Et d'ailleurs, on pense que c'est grâce à notre Marguerite de Valois que l'améthyste d'Auvergne était très recherchée. Les cristaux d'améthyste sont apparus dans ces volcans très anciens. Alors ces pierres d'améthyste se sont formées dans un magma souterrain qui était à l'intérieur de la Terre. Il faut savoir que le paysage au moment où c'est formé, l'améthyste n'était pas du tout le paysage que nous avons ici. C'était un paysage de montagnes, des montagnes très élevées, d'environ 5-6 000 mètres de hauteur, presque l'Everest de l'époque. Et dans cette chaîne de montagnes, est monté des magmas, c'est-à-dire de la lave en fusion et des gaz. Et ces magmas ont cristallisé à l'intérieur de la croûte terrestre. Ils ont produit ces filons d'améthyste qui sont apparus à la faveur de l'érosion qui a creusé ces montagnes granitiques que l'on voit devant nous. Là. Pierre Lavina survole maintenant la vallée boisée de Bansa. C'est là que l'extraction de cette pierre translucide a débuté. Ce sont les premiers marchands, les
premiers agriculteurs qui ont découvert ces pierres. Et en remontant les différents cours d'eau, ils ont trouvé des filons d'améthyste. D'ailleurs, on dit que la pierre améthyste, c'est la pierre d'Auvergne. On est dans le plus grand gisement d'améthyste d'Europe. Cette améthyste, quand on la taille, elle a un reflet rubis. Un rubis rouge extraordinaire. C'est ce qui fait sa renommée. Le vol se termine au-dessus des vallons du Vernet-la-Varenne, où se trouvaient les plus grands gisements d'Auvergne. Cette histoire reprend vie grâce à Pierre Lavina. Aujourd'hui, il conduit deux géologues amateurs vers la première carrière d'améthyste qui vient de rouvrir. Là, je vous emmène sur un endroit assez exceptionnel. Au-dessus de la rivière, la mine de Pou symbolise le renouveau de la pierre d'Auvergne. En 2015, le géologue et ses équipes ont découvert ici un filon d'une grande ampleur. C'est un jeune qui travaille avec nous depuis des années et a repris la concession. Si tout se passe bien d'ici 2 ans, il va rouvrir une carrière qui fera de l'extraction pour la taille de l'améthyste. Tiens, Adrien, regarde, il commence à voir des petits pépites par terre. Ah oui, des petits morceaux. Des petits morceaux qui ont commencé à voir là. Regarde. Ah oui. Ah, ils sont jolis, ceux-là. Ils sont très jolis. Ah oui, il y en a d'autres là, dis donc. Ah, regarde là, ici. Là aussi, ouais, un très bon échantillon là. Un beau morceau là, il y a des bons morceaux. Là, on descend vraiment dans une superbe découverte, là. Waouh. C'est superbe. Ah ouais, il y en a pas mal, ici. Ah oui. Là, on voit vraiment le filon dans son ensemble. Donc, on va essayer d'en dégager un petit bout, là. OK. Voilà. Alors, tiens, j'ai les pointes. Oui, d'accord, merci. Avec la petite, là. Il faut toujours suivre le filon. Oui. Ouais. Vous pouvez imaginer que cette pierre s'est formée à 10 km de profondeur à la suite d'un refroidissement de magma dans une fissure. Elle est restée là, dans la terre pendant 400 millions d'années. Et à la faveur de l'érosion, d'un coup, on tombe dessus. Et c'est ça qui est magnifique et excellent et extraordinaire. Et donc, c'est tout un parcours très lent qui a permis de magnifier la pierre. Il faut 10 minutes à Adrien pour prélever un échantillon de roche. Oui, elle est magnifique. Voilà. Voilà, puis on a violette, elle est brillante, une belle déjà druse. Et tout. Ouais. Une belle druse. Alors là, on voit les 6 faces. En fait, on dit la forme naturelle du quartz, c'est l'hexagone, c'est-à-dire les 6 faces. Donc on va voir ici 1, 2, 3, voilà, plusieurs faces, 6 faces qui forment le cristal. Là, ce côté exceptionnel de cette pierre, bah, c'est justement son aspect brillant déjà naturel. Donc ça, c'est vraiment un bon signe pour la suite. C'est-à-dire qu'on a sans doute une qualité de coloration à l'intérieur qui fait que c'est une pierre qui est tout à fait taillable. Dans l'après-midi, le géologue et Adrien prennent la direction du Forez. Ils ont 1 heure de route pour rejoindre l'atelier d'un lapidaire pour faire tailler les cristaux d'améthyste qu'ils viennent de trouver. Cet artisan d'art qui travaille pour les plus grands joailliers s'est installé dans un lieu tenu secret au cœur de la forêt. Yves Guazzini commence par analyser la pierre brute. Voilà, il y a une petite partie taillable. Il faut la séparer du bloc. Bon, je vais faire celui-là. Il extrait d'abord un cristal de 5 cm. Ah, la couleur est bonne. Ouais. Il y a une plage là qui est assez propre. Ouais. On ne sait pas trop la qualité de la pierre, là, donc sous le regard de Yves, on découvre vraiment l'œil du professionnel qui va nous dire que cette partie est vraiment valable pour la taille. Donc c'est une étape un peu sous tension, on va dire. On ne sait pas vraiment si la pierre de la rivière sera une belle pierre sur un bijou. Pour être sûr de la qualité, le lapidaire scie les extrémités du quartz avant de les dégrossir. On a enlevé les plus grosses impuretés. La forme est à peu près définitive. Et la pierre est de bonne couleur. Le travail pour transformer la pierre brute peut commencer. Yves colle d'abord avec de la cire chaude l'améthyste sur un dope, une tige très résistante.
le facettage débute. Pour faire une petite facette, on va enlever sur la pierre de l'ordre de 1/1 carat, ce qui veut dire 2-3 millièmes de gramme. Ce qui me passionne justement, c'est de voir l'aboutissement. On est parti du terrain, on a extrait la pierre, et de voir travailler, alors là, c'est extraordinaire, je me régale. La pierre va avoir, une fois terminée, 57 facettes. Ah, 57 ? Oui. Et là, je travaille en symétrie, un coup ici, un coup là, de façon à être sûr d'avoir une bonne symétrie pour le renvoi de la lumière dans la pierre. Là, je fais les facettes principales. D'accord. Ah, là, je vais finir celle-là, et ensuite, je changerai d'angle pour faire les deux autres. C'est la dernière phase du travail, le polissage. On peut toujours avoir une mauvaise surprise à un moment donné, une inclusion qui est mal placée ou quelque chose que l'on n'a pas vu. Eh bien, c'est terminé. Voilà. Donc, la machine. Voilà la pierre. Superbe. Magnifique. Voilà la pierre. Formidable. Elle est superbe. Je pense que ce sera en bijoux. Bague, pendentif. Ça va faire plaisir à une dame. Le massif central est un sanctuaire pour les plantes sauvages. Un Eldorado pour les cueilleurs professionnels. Je m'excuse, mais il fallait passer vite. Voilà, ça bouge. Donc regarde, t'as la lettrée là sur le bas. Denis Chaud est une figure dans le monde des collecteurs de fleurs. Depuis 30 ans, il déniche des plantes aux propriétés exceptionnelles pour les laboratoires pharmaceutiques et l'industrie cosmétique. Tu m'emmènes où là, Denis ? Ben là, on va essayer de monter en haut du puits de Louchadière, voir au niveau de la spérule. T'as rien de la pensée sauvage, c'est les belles, là. Ah, les belles voilà. On verra peut-être d'autres choses aussi, quoi. Va falloir qu'on tourne, ça va bouger. Hop, allez, on monte. Ce matin, il emmène Amaya, une ingénieure agronome, qui vient de créer son atelier de fabrication de tisane bio. Pour l'une de ses compositions, la jeune femme lui a commandé de la spérule, une plante aux vertus calmantes. Et tu vas voir, au fur et à mesure qu'on montait, on a une vue magnifique. Ça donne toute la forêt. Alors tu vois, regarde, on va commencer à avoir une petite vue. Tu vois, regarde. Les roches de sauterre de l'autre côté, là-bas. Oh, magnifique. Regarde, tu vois, regarde. Denis prend la direction du bois de la Nugère. C'est par là ? On va passer, hop. À la fin du printemps, ce massif forestier est propice à l'éclosion de cette fleur qui aime l'ombre. Voilà, ben faut, tu vois, regarde, sur les côtés, ça peut être là, ça peut être... Voilà, c'est... Faut qu'on regarde. La spérule, c'est ça, tu te promènes pas mal. Tu trouves pas un champ où c'en est plein, quoi. C'est, voilà, c'est des petits spots par ici, par-ci, par-là. Tu vois, regarde, en dessous, il y en a un... c'est petit ça, mais regarde. Juste pour te mettre en appétit, si on peut dire. Lolotte, pousse-toi. Tu vois, regarde, hop. Avec tes deux mains, tu... À peine arrivé, Denis se met à l'ouvrage. La spérule odorante, c'est une des plantes que je préfère utiliser dans mes infusions. C'est une super plante du soir, donc c'est pour apaiser. Donc les personnes aiment beaucoup et en plus on n'a pas forcément trop l'habitude de l'utiliser. Ça faut un mouvement brusque. Amaya connaît bien les vertus des plantes, mais elle a encore beaucoup à apprendre pour les récolter. Si tu fais vite, rapide comme ça là, voilà. Le but c'est de ne pas arracher les racines, tu vois, les racines n'y sont pas et tout, quoi. Regarde bien, quand tu as des plantes comme ça, eh bien, tu les évites. Tu vois, tu as la stellaire qui est là, ça te permet de l'éviter et tout, quoi.
Bah, quand on vous dit qu'il faut au moins 10 ans pour être un bon cueilleur, c'est pas par hasard. J'apprends encore, on fait doucement, je découvre toutes les plantes. Mais à chaque fois que je vais en cueillette avec Denis, en une minute, il a fait à peu près ce qu'il me faut, moi, en une heure. Denis, c'est celui où on a n'importe quel endroit dans la nature. Il sert à me dire exactement toutes les plantes qu'il y a, les propriétés, quelles sont intéressantes, les époques de cueillette. Et il a une patience infinie avec moi. Hop. Celle-là, faire attention, parisette. Parisette ? Ouais, et qui est toxique. Celle-là, faut l'enlever. OK. Et c'est vrai que pour apprendre, il y a une si tu les ramasses une par une et tout, tu sortiras pas ton revenu en fin de journée. Quoi, voilà. Là, il faut qu'on fasse un minimum de 8 kilos frais à l'heure. Minimum, minimum. Il faut 8 kilos frais pour faire un kilo sec, si tu veux. Voilà. Je ramasse des plantes pour des entreprises, pour des laboratoires, pour des petites structures comme Amaya. À notre époque, dire qu'on est cueilleur et qu'on vit de ça, ça paraît un peu... En gros, on est paysans sans terre, puisque je vais dans les chemins, je vais dans les friches. Pour certains endroits, on va demander des autorisations. Voilà, c'est un métier. Voilà. Pour exporter dans le monde entier ces trésors de la région, Denis a créé, il y a 30 ans, la première coopérative en France. Aujourd'hui, elle regroupe 45 cueilleurs dans tout le massif. Aujourd'hui, je suis là pour la spérule, mais il y a sûrement quelqu'un qui est en train de cueillir là-bas sur l'aubépine. Donc il y a plein d'autres personnes comme ça et qui apportent après tout ça à la coopérative, quoi. Entre la plaine et la montagne, c'est très vaste et une diversité de plantes voilà, qui laisse la place à tout le monde, quoi. Au même moment, dans le Cantal, sur le plateau du Césalier, la reine des prés est en fleurs. Elle est haute, là, dis donc. Laura et Luc, d'autres cueilleurs, sont à pied d'œuvre. Là, elle est magnifique, là. Chaque année, la coopérative en récolte plus de 12 tonnes. La reine des prés, donc, c'est un antidouleur. C'est l'ancêtre, on va dire, de l'aspirine. Ce qui veut dire qu'elle soigne les maux, tous les maux, en général les maux de tête, les blessures au niveau musculaire, au niveau des articulations. Voilà, c'est quand même, on va dire, un super médicament qui est naturel. Laura et Luc se sont mariés en 2014 et partagent la même passion pour les plantes médicinales et aromatiques. Pourtant, rien ne prédisposait cet ancien séminariste à devenir paysan sans terre. J'ai rencontré un ami qui m'a proposé de l'aider à accueillir, qui était à la coopérative. J'ai apprécié cette activité. Je me suis retrouvé en accord avec moi-même, en accord avec mon pays, avec aussi en accord avec mon histoire. Voilà. C'est le plaisir de pratiquer un travail qui donne du sens à notre existence. C'est peut-être ça, le lien avec l'ancien séminariste. Oh, la belle biche! Ou le beau cerf, du moins. Magnifique. Alors ça, c'est les joies de la cueillette. On a toujours des belles surprises comme ça. On dirait qu'elle danse, la reine. Avec ce vent. À 1600 mètres d'altitude, la météo change très vite sur le Césalier. On continue, Laura, quand même, avec la pluie. On va en faire un petit peu, mais ouais. si ça revient pas au beau fixe, on va essayer déjà de faire ce qui est fleuri, quoi. Ouais. Les plantes sont saisonnières, hein, donc dès qu'elles commencent à fleurir, il faut y aller. Et après, suivant le temps, effectivement, on aura plus ou moins, pour la reine des prés, 15 jours à 3 semaines. Il n'y a jamais de temps idéal, mais on a besoin du soleil, on a besoin de la pluie. C'est essentiel pour la plante, donc c'est... Voilà, nous, on accepte les conditions météo, quoi.
Bon, bien sûr, si l'orage arrive, là, c'est différent. Hein. La pluie nous arrête pas, mais l'orage, si, quand même. Dans l'après-midi, nous retrouvons Denis et Amaya au col de la Moreno. Le cueilleur a obtenu l'autorisation d'un propriétaire pour couper les feuilles et les fleurs d'une aubépine. L'aubépine, c'est une plante super intéressante pour le soir. C'est une plante qui va aider à déstresser et les personnes la recherchent énormément justement pour une petite tisane du soir ou pour la prendre en homéopathie, en gélule. Ça fait partie des plantes un peu sédatives. Expert de la taille, Denis ne perd pas de temps. Ses gestes sont rapides et précis. Il prend soin de ne pas abîmer l'arbre. Le plaisir de vadrouiller, de trouver des nouveaux endroits. T'arrives à un endroit, c'est... Voilà, ben la plante, elle n'est plus en fleur. Faut aller en trouver un autre et tout. Ça, c'est notre métier de cueilleur. Donc, faut prospecter, chercher les sites. Le relationnel, pour venir ici, aller voir le paysan, discuter avec lui, voir comment tu t'organises. Puis toi, regarde cet arbre, il est superbe. Il se laisse monter dedans, il se laisse tailler. Il est gentil avec toi. Tu arrives, Amaya? Parce que ça fait... Je te mets un sacré chantier, là, en bas. Bah, écoute, ça va. On s'en sort, c'est plus physique que la spérule, hein. Ah bah, ça, c'est sûr. Mais c'est bien aussi. En moins d'une heure, l'aubépine est élaguée, des pieds à la tête. Bon, ben Amaya, je pense que c'est bon, là. Bah là, je pense pas qu'il puisse faire beaucoup jeunesse. Plus, hein. Là, on va les charger en camion. Oh, merde. Avec ses branches, Denis pourra fabriquer 15 kilos d'extraits de fleurs et de feuilles. C'est la fin de la journée. Au Fraissinet, Amaya regagne l'ancien moulin qu'elle vient d'acheter avec son compagnon. C'est ici qu'ils composent leurs infusions. Ça, regarde. On a bien crapahuté là avec Denis. Ouah, super. Parfait. Tu veux que je te les fasse en fagot? Ce soir, ils veulent tester une nouvelle tisane relaxante. Charlie, lui aussi, est ingénieur agronome. On a toujours plus couru après des activités qui nous faisaient vibrer. Et là, on a vraiment réussi à trouver le compromis d'être à la fois dans un environnement qui nous plaît énormément et en même temps une passion, parce que c'est un travail où on ne compte pas nos heures. Et on fait plein de rencontres, que ce soit les cueilleurs, que ce soit les restaurateurs, que ce soit les consommateurs. La spérule, cueillie ce matin, va sécher pendant 24 heures. Donc là, on a la verveine. Celle-ci, c'est une verveine citron qui a été cultivée. Et la verveine, c'est une plante apaisante, plutôt pour le soir, qui est aussi bien pour la digestion. Et là, avec le petit goût citronné, ça permet de bien parfumer l'infusion. Ici, on a la spérule odorante, la fameuse, celle où on allait en cueillette. C'est une plante pour apaiser et qui est bonne aussi pour la digestion. Et enfin, pour finir, ça c'est pour une petite touche un peu sucrée et fruitée, on a la pomme, donc d'Auvergne aussi, qui là donc, a été coupée, séchée. Et on va avoir donc, ces petits morceaux-là qu'on va mettre directement dans l'infusion. On va pouvoir passer à la dégustation. Parfait, on va goûter ça. Amaya a préparé un mélange composé de 40% de verveine, la même proportion d'aspérules et 20% de pommes concassées. Allez,
On va laisser 7 à 10 minutes d'infusion, vu que là, en plus, il y a des fruits, donc il faut un peu de temps. Mais tu vois, regarde, là, ça commence déjà à bien sentir. On a la verveine citron, elle, c'est direct. Et la petite aspérule. Est-ce qu'on peut comparer votre métier à celui d'un œnologue ou d'un parfumeur? Un mélange, il se crée pas comme ça. C'est énormément de tests et de dosages entre les plantes. Et ça peut vraiment énormément changer dans des mélanges de 25-35 grammes. À 3 ou 4 grammes près, ça peut vraiment faire tourner le mélange dans une saveur ou dans une odeur. Je suis surtout sollicité pour goûter. Généralement, elle me propose une batterie de 4, 5, 6 tisanes sur un même mélange. Et elle va faire ses petits réajustements. Donc voilà, après j'essaye de lui dire si c'est trop amer ou trop fruité, si au contraire c'est trop fade. Et puis de là, voilà, on avance ensemble, main dans la main, pour définir les meilleures saveurs. Au nez, on a la verveine. On a la pomme, on a le petit goût sucré un peu de la pomme. Ouais, elle est parfaite. Santé. Eh ben merci, elle est absolument parfaite. Elle est bien, hein. Félicitations. Au sud du Massif central, voici le parc national des Cévennes. Ce vaste territoire est une destination privilégiée pour les amoureux des grands espaces. Seul parc national de moyenne montagne en France, il est reconnu réserve de la biosphère par l'UNESCO. Au cœur de ces vallées encaissées, on protège plus de 2400 espèces animales et végétales. Dans cette étendue, éloignée de la pollution lumineuse des grandes villes, des astronomes peuvent observer les confins de la galaxie. À l'observatoire du lac des Pises, des passionnés se relaient pour réaliser des clichés d'exception. Depuis 25 ans, ils ont fait des dizaines de découvertes. Comme la nébuleuse Trifide et Lagune, la dentelle du Sud, et même une galaxie qu'ils ont nommée M81. Et sinon, là, au niveau des dernières mesures, t'as eu quoi en mesure SQL ? Ce soir, vu la qualité du ciel, je pense qu'on va obtenir de très, très bonnes mesures. La nuit va bientôt tomber sur le lac. On va installer le trépied. Jean-Marie Lopez, le responsable de l'observatoire, peut installer ses capteurs infrarouges avec un garde du parc et un astrophysicien. Voilà. Depuis 2015, il analyse la noirceur du ciel au-dessus des Cévennes. Quand on fait des observations astronomiques, nous, les astronomes amateurs, nous recherchons les cieux les plus noirs possibles. Et donc, voilà, on s'installe dans les zones où on est sûr et certain de trouver les meilleures conditions pour pouvoir observer ce que nous aimons le plus, à savoir le ciel profond, les nébuleuses, les galaxies. Enfin, tout ce qui est très très faible, avec donc un faible contraste et qui nécessite obligatoirement un ciel noir pour être observé. Ce sera Jupiter, Saturne. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de lieux où on peut réellement profiter d'un ciel pur, noir, et se rendre compte de ce qu'est la Voie lactée, par exemple. Il y a quand même un tiers de l'humanité qui ne la voit plus, la Voie lactée. Donc nous, on a encore la chance de la voir, notre Voie lactée. Et la Voie lactée, c'est notre galaxie. C'est notre écosystème naturel dans lequel nous sommes, le Soleil et les planètes. Donc voilà, on va positionner ça. Tout dépend de la saison aussi. Le noir est maintenant total. La mesure peut débuter. Quand tu vas pointer hors des étoiles brillantes? Ah oui, il faut pointer entre les étoiles, en fait. Sur la zone où il y a le moins d'étoiles, là, tu vois, regarde, ouais, cette zone-là, elle est plus sombre. Mmh.
Le parc national des Cévennes devrait obtenir d'ici peu le prestigieux label de réserve internationale de ciel étoilé. Le lendemain, à Omessas, un groupe s'apprête à partir pour une randonnée particulière d'une semaine au cœur du parc national. Alors, la cocotte minute. C'est de la bouffe aussi. Au programme, la découverte des plus beaux paysages et la nuit, des observations astronomiques. Pour cette excursion, quatre ânes et un mulet vont porter les bagages. Alors lui, on va le prendre en sandwich. Paul Remise est accompagnateur en montagne. C'est lui qui va encadrer le groupe de 8 personnes. Il a 5 ans. Je vais vous montrer comment mener un âne. Donc on va prendre comme modèle Pacotille, si ça vous va. Alors, donc il y a des principes. Déjà, les chemins qu'on va utiliser, c'est des chemins étroits. Ce sont des chemins qui, dans lesquels, en gros, passe le chargement d'un âne, mais pas un humain en plus. On se met devant, on tient la longe comme ceci. La longe, en fait, on la tient, on fait un paquet dans la main, qu'on tient comme ça. Pour marcher, il va falloir dire, en fait, un petit mot tout simple qui est « marcher ». Ça est simple jusque-là. Pour l'arrêt, il y en a plusieurs. Ça peut être « haut », donc « haut », comme ça. Ça peut être « arrêt » aussi, ça marche. Mais vous allez voir que ça, c'est des mots, hein. Mais c'est pas une science exacte. Hein. Allez, c'est parti. Allez, rrr, rrr. Allez, allez. Allez, ma Céleste. Allez, Brit. Et là, donc, on prend à gauche. Les randonneurs partent pour 6 heures de marche. Rapidement, après la sortie du village, ils quittent la route et empruntent le sentier qui monte dans le vallon de Montlouvier. Ils ont 600 mètres de dénivelé à franchir pour atteindre le site des Molières, où ils vont bivouaquer ce soir. Dans le groupe, Lisa est une marcheuse aguerrie, mais c'est la première fois qu'elle randonne avec des ânes. J'adore les animaux, il y a un contact, ça vibre en fait, il y a un échange qui se crée. C'est un autre rythme en fait, on s'adapte à eux et ça c'est intéressant pour un marcheur aussi d'avoir ces contraintes, mais qui ne sont pas vraiment des contraintes, qui sont un plaisir au final parce que c'est une communication. Et on peut continuer. Sacha. Allez, bon petit virage en épingle. Sacha, le plus jeune de la caravane, a 13 ans. Il est originaire des Cévennes. Ça commence super bien. Franchement, la randonnée n'est pas trop difficile. Les ânes sont sympas. Il y a des moments voilà, où il faut se rattraper et tout ça, mais c'est pas si compliqué que ça au final. Voilà. Alors du coup, il arrive que dans les chemins, il y ait des fois des embûches. Il y a le travail d'accompagnateur, de muletier aussi, muletier entre guillemets en chef, parce qu'il faut essayer de gérer un peu l'équipe de muletiers amateurs comme Sacha, par exemple, et les autres. Ça demande d'être attentif aux animaux, aux randonneurs, puis d'essayer d'amener quelques connaissances sur le milieu naturel, sur l'histoire locale. Donc voilà, ça demande différentes facettes. Les marcheurs poursuivent leur chemin dans le massif du Lingas. Le guide leur fait traverser maintenant une forêt de châtaigniers.
l'arbre emblématique des Cévennes, a été planté massivement au 19e siècle pour nourrir les populations. Aujourd'hui, la plupart de ces vergers de montagne sont à l'abandon. On est maintenant au cœur de la Châtaigneraie. Châtaigneraie, quand on regarde dans votre dos, si vous vous retournez, on voit que c'est une châtaigneraie qui est en broussailles. Là, on peut l'appeler un taillis. C'est-à-dire que c'est un verger qui redevient une forêt. C'est des arbres qui sont normalement espacés d'une certaine distance. Ils sont à peu près à 5-6 mètres les uns des autres. Arbre qui est l'arbre nourricier depuis des centaines d'années. On dit d'ailleurs qu'au niveau nourriture, un kilo de châtaigne est deux fois plus nutritif qu'un kilo d'orge. Le châtaignier, c'est l'arbre à pain des Cévennes. Un peu plus haut, le groupe suit un ancien chemin muletier que les producteurs de châtaignes utilisaient pour transporter leurs fruits. Dans les Cévennes, ces chemins pavés ont été aménagés dès le XVIe siècle pour le passage des ânes. À l'époque, un réseau de plusieurs centaines de kilomètres reliait les vallées les plus reculées. On appelle ça une calade. La particularité, c'est que les pierres sont calées les unes contre les autres, donc jointes, mais sans ciment, sans liant. Nous, on a un peu de difficulté à caler nos pieds, on ne sait pas sur quel pied attaquer la marche. Par contre, eux, c'est calculé pour eux, quoi, pour la distance qu'ils ont entre patte avant, patte arrière. L'astrophysicien Mathieu Renaud entame lui aussi la dernière partie de la montée. Super. C'est lui qui, chaque soir, va initier les randonneurs à l'observation du ciel. L'idée de ce voyage, c'est quand même de pouvoir arpenter un peu le ciel avec des voyageurs qui ont envie de découvrir un espace naturel qui est le Parc national des Cévennes, mais également un autre espace naturel qui est notre voûte céleste. Arpenter la terre comme on peut arpenter le ciel, parler du ciel, de ses légendes, de parler aussi de comment est-ce qu'on se repère dans le ciel. Il commence à y avoir à peu près autant de bleu que de gris dans le ciel. Après 6 heures d'effort, le groupe atteint enfin les Molières, un lieu d'exception. Un belvédère naturel sur les Cévennes. Par rapport au relief, donc le pic Saint-Loup, qui est en face, qui est une des montagnes les plus facilement répertoriables quand on est sur le littoral hein, et sur la plaine languedocienne, ça a été pendant très longtemps un repère pour des lieux de passage. Et donc juste en face du pic Saint-Loup, on a la montagne de l'Ortus, montagne de l'Ortus qui est un haut lieu de la préhistoire, hein, puisqu'en fait on a la grotte de l'Ortus dans laquelle on a retrouvé des crânes de Néandertaliens. Donc l'homme de Néandertal a vécu à cet endroit. Partout où se pose l'œil, on voit des choses différentes. Et puis, ce qui est intéressant aussi, habitant dans les vallées encaissées, les vallées des Cévennes, qui sont des vallées en V, hein, vraiment encaissées, ça fait du bien de porter le regard au loin aussi. Voilà, ça, c'est quelque chose qui ouvre à plein de choses. Ça commence à s'ouvrir. Hein. Je découvre le paysage en hauteur déjà. J'avais déjà vu au Messas tout ça un peu en hauteur, mais... Là, c'est vraiment un point de vue génial parce qu'on voit vraiment tous les hameaux, villages. C'est fantastique, c'est sauvage, c'est nature, c'est intact encore. On quitte un monde surfait et on arrive là, c'est brut, c'est naturel, c'est vivifiant et reposant. On partage avec les autres aussi les ressentis, les émotions, la beauté, la convivialité. Et puis, c'est pas fini. Ce soir, les étoiles, le ciel, la lune, c'est extraordinaire. Les marcheurs ont encore quelques centaines de mètres à parcourir pour gagner la bergerie des Molières.
Exceptionnellement, le parc national leur a donné l'autorisation d'y bivouaquer. Bon, toujours priorité aux animaux, hein. C'est super, merci, merci pour eux. C'est un principe, on s'occupe d'abord des ânes en arrivant, et après passent les humains. Puisqu'ils nous ont rendu quand même de fiers services toute la journée, je les chouchouter un peu. Ils se frottent, ils se... Alors là, ça a plusieurs sens. Déjà d'une, le premier, on voit qu'il y a des mouches qui tournent tout autour. Donc le fait de se rouler à l'intérieur dans la poussière, on appelle cet endroit d'ailleurs une baignoire. Donc il va se rouler là-dedans, il va s'envoyer de la terre un peu partout, c'est un peu une ablution, on va dire, hein, des ablutions. Et puis ça a aussi un rôle social. Là, à ce moment, tout le monde s'y met. Alors là, Maestro commence à le faire. Hein. Et donc Maestro, voilà, ça va être le... Alors, dans un sens, dans l'autre, c'est le... Mathieu, l'astrophysicien, s'est mis à l'écart. Il commence à scruter le ciel. Là, on voit déjà donc une partie éclairée. On est au premier quartier de Lune. On voit des taches un peu sombres, on voit les mers lunaires. Ça va être mon tour, là, maintenant, de guider un peu les voyageurs à travers le ciel. De la même manière qu'avec Polo, on se repère sur Terre. On peut nommer les montagnes, les vallées, les causses. Nous, on va se balader un peu dans le ciel ce soir. Mais en fin de journée, brutalement, la tramontane se lève. La température baisse de 10 degrés. Tu vois, peut-être au feeling, on va... Tu vois, regarde, là, il y a un truc. Il y a pas ce milieu, toi. Bon, moi, j'ai pas trop d'idées, mais j'en ai testé ça. C'est une tente que j'avais jamais vue, il y a une barre qui traîne. Je sais pas trop quoi en faire. Bon, elle-même, la tente, elle tient. Il y a du vent, ça bouge pas. Donc on va rester comme ça. Il y a les deux ânes là, c'est bien. Le groupe s'abrite derrière un mur de la bergerie. Sûrement avec le vent, là, on va peut-être voir les étoiles scintiller davantage, avec une atmosphère un petit peu plus turbulente que d'habitude, mais ma foi, bon, voilà, c'est dégagé, donc on aura de quoi faire. Hein. Tiens, vous commencez à voir la lumière un peu crépusculaire là-bas, là, qui arrive, vers le pic Saint-Loup. Hein. Et puis là, on va avoir nos trois errantes, là, la Lune, Jupiter et Saturne. Et puis on va peut-être pouvoir commencer à se repérer un peu dans le ciel par nous-mêmes. En fait, il y a un fromage pour trois personnes. Pour le dîner, le guide a préparé des camemberts fondus au feu de bois. Et n'hésitez pas, hein. C'est une soirée qui va être riche en émotions, je pense, et en souvenirs. Voilà. On va garder en souvenir que, effectivement, dans les Cévennes, on peut avoir des conditions bien particulières aussi de météo. Ouais. Il est 22h, les apprentis astronomes préparent leur matériel d'observation. Attends, hein. Une petite seconde. Ouais. Élévation, elle est là. Azimut comme ça, d'accord ? Tout le monde est paré ? Allez, c'est parti. Ils se dirigent vers une plateforme en dessous de l'ancienne bergerie. On utilise des lampes rouges pour ne pas abîmer notre vision nocturne. Tout le monde repère Jupiter. Chacun est équipé d'un galiléoscope, conçu sur le modèle de la lunette, utilisée par le grand savant italien au début du XVIIe siècle. Tu veux quoi, là, Jupiter ? Bah, Jupiter, ouais. Ouais, c'est bon. Oh là là, que c'est beau. Merci. Ce petit télescope permet de grossir 30 fois. Non, mais tu n'étais pas loin. Hein. Mais je voyais rien. Bon, alors là, ce que vous êtes en train de faire, vous m'entendez tous, là, avec le vent ? On est en train de reproduire l'expérience de Galilée en 1609. Il a noté quelques points lumineux de part et d'autre de Jupiter qui semblaient être dans le même plan. Mais avant de se rendre compte que c'était des lunes, à savoir des objets qui tournent autour de Jupiter, il a simplement noté qu'il y avait des petits points lumineux, comme vous devez en voir quelques-uns là en ce moment, peut-être. Vous êtes bien à la mise au point, là, tout va bien ? Et ça lui a permis de dire qu'il y avait effectivement des objets dans le ciel qui tournaient autour d'autre chose que la Terre. J'en vois nettement un à droite, un à gauche, mais après... C'est pas facile, mais bon, je vais m'y faire. On n'a pas tous, pour le moment, le même avis sur le nombre de satellites. Donc ça dépend de la vue de chacun, donc on essaie de trouver un accord. Donc,
Donc je vois deux étoiles à gauche très très près, puis un peu à gauche là, un peu plus par là. Donc ça fait trois. Ben c'est bien. Trois ça fait quatre alors. Ça fait quatre. Après une brève accalmie, le vent se lève à nouveau. Là, ça fait partie un peu des aléas. Et oui, le vent est toujours là en fait. Il s'est un peu calmé, on a pu regarder un peu, mais là, on a des grosses rafales de vent en ce moment. Bon, les amis, je crois que ce soir, c'est fichu. On remet ça à demain, vous êtes d'accord? Oui. Ouais, le vent, là, ça caille un peu. Bon, allez, on range le matos. Le lendemain, le beau temps est revenu. Alors en fait, Sacha, tu montes en face, légèrement sur ta gauche, et tu vas avoir une trace. Fie-toi à ton intuition, à ton instinct. Oh, oh, oh. Écoute. Oh. Une autre longue journée attend les randonneurs. Voilà, super, c'est ça, Sacha. Attends. Oh. Légèrement à droite, à droite. Il se dirige vers le mont Aigoual, le point culminant des Cévennes. C'est pareil, c'est un très vieux sentier celui-là. Quand tu regardes à des endroits, on devine un petit mur qui le retient. Et par endroits, il est caladé aussi. C'est vraiment un très vieux chemin. À la mi-journée, le groupe franchit le col des Portes. En face de nous, on voit le mont Aigoual. Le mont Aigoual avec ses 1567 mètres. C'est vraiment le sud, la partie méridionale du Massif Central. Juste derrière, ça descend. Donc il y a une rupture qui casse vraiment le Massif Central. On voit que on débouche sur autre chose. Et cette autre chose, c'est la Méditerranée. Quand il y a une averse du côté sud, ça va alimenter l'Hérault et qui va aller se jeter dans la Méditerranée, donc grossir les eaux de la Méditerranée. Et quand il y a une averse côté nord, ça part dans la Dourbie qui, elle, après, va alimenter la Garonne et puis se jeter dans l'Atlantique. Pendant 5 jours, autour du mont Aigoual, les randonneurs vont continuer à découvrir les plus beaux paysages des Cévennes et profiter de la pureté de son ciel étoilé.